Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de cette série entraînement qui devrait vous accompagner une partie de l'hiver. Cette année, le coach, c'est Romain Desgranges et on a eu envie de faire ça à notre façon. Une façon que vous commencez un petit peu à connaître via les simple climbing. Donc vous voyez un peu l'idée, ça va être sans fioritures et surtout on va profiter du fait donc qu'on a Romain, donc, qui est vraiment un expert entraînement. Il le dit lui-même hein, souvent, il considère qu'il a aucun talent à la base pour l'escalade et que du coup il doit compenser avec l'entraînement. Et il va donc m'accompagner dans une séance d'entraînement qu'on a découpée en plusieurs épisodes qui correspondent à différents thèmes. De cette façon, on va essayer de pas simplement vous donner une liste d'exercices à faire, vous allez aussi me voir les faire, généralement mal. Et du coup, Romain sera là pour me corriger, m'aider et me montrer le bon exemple. Parce que bah, parfois on pense en fait qu'on reproduit bien l'exercice et en fait, pas du tout. Donc, puisqu'on est avec Romain, on est parti sur une grosse séance fracassage de muscles bien en règle. Le genre de séance que vous faites quand vous savez que vous n'allez pas grimper derrière pendant au moins 3 jours, je dirais. Mais rien ne vous empêche de ne choisir de faire qu'un des thèmes, par exemple, sur votre séance. En tout cas, c'est normalement accessible à tout niveau, puisque l'idée, de toute façon, c'est d'aller au bout de ses capacités, quelles qu'elles soient. Même ce premier épisode sur Pangulich, on peut adapter le niveau. C'est juste que ben, quand Romain, lui, va aller sauter 7 lattes d'un coup, nous, on va en sauter beaucoup moins. Mais c'est pas important tant qu'on va chercher notre maximum à chaque fois. Si vous voulez jouer le jeu de faire la grosse séance d'un coup, c'est-à-dire quand tous les épisodes seront sortis, faire voilà, chaque épisode sur la même séance, accordez-vous à peu près 15 minutes de repos entre chaque thème, mais jouez le jeu, c'est-à-dire que vous allez voir, l'idée c'est d'être de plus en plus fatigué, donc bah, ne vous reposez pas trop. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On teste le concept hein, encore une fois, donc bah, on n'est pas complètement sûr de ce qu'on fait du coup. Allez, bon entraînement. Alors pour commencer cette grosse session entraînement, on va, ça peut paraître un peu bizarre, mais déjà se fatiguer en fait. C'est-à-dire qu'on va forcer tant qu'on est frais. On va vous montrer comment faire ça bien et ça se passe sur le Pangulich. Bon donc tout bon entraînement commence par un bon échauffement. Donc ce jeu s'appelle le coup de pute. Si vous arrivez à comprendre les règles, vous êtes fort. Bon, du coup, j'imagine que tu t'échauffes avant. Bah ouais quand même, c'est Pangulich est quand même assez violent, du coup faut bien s'échauffer les doigts, les poulies, histoire de pas se faire mal. Tu fais quoi comme exercice? Au début je me pends un petit peu avec les pieds, après je me pends les deux mains quelques secondes, puis plus longtemps, puis après je diminue l'appréhension. Après des petits mouvements pour échauffer le corps. Est-ce qu'il y a un truc pour savoir qu'on est chaud? On s'en rend vite compte quand tu arrives à bien forcer ou que tu commences à être bien précis sur l'appréhension, c'est que tu commences à être bien réveillé. Tu vois là par contre je l'ai raté. Partir comme ça, une main sur la 0, pied au sol, hop, et tu vas sauter à la 8. Du coup l'idée c'est de ne pas faire que sur l'impulsion, mais de se concentrer sur cet axe là qui va faire ça là et sur la précision de l'arrivée sur la 8. Tu te concentres sur le bras gauche qui accompagne. Tu prends l'impulsion du sol mais c'est le bras gauche qui fait ça. Tu vois là tu l'as raté un peu l'arrivée. Ça fait plus de bruit que toi là. Justement, concentre-toi vraiment sur la précision pour arriver. Ouais, et du coup tu peux faire ça tant que tu sens que tu peux vraiment améliorer le mouvement et être vraiment droit, vraiment parallèle au Pangulich. Quand je suis bon c'est quand j'arrive silencieusement. Donc t'arrives vraiment à vitesse zéro pile poil sur le truc. Bah pas mal. Et du coup pense aussi à faire l'autre bras. Hein. Ah. Nickel, du coup après tu peux faire l'étape d'après, tu fais le même truc mais tu ramènes la main du bas. Là il va falloir que tu serres l'épaule du haut. Voilà comment on fait bien. Essaye d'arriver vraiment parfaitement quoi. Ouais, vachement mieux. Il faut que tu calibres ton corps pour savoir la puissance qu'il faut mettre pour venir là. C'est pas la même que celle qu'il faut mettre pour mettre là. Donc du coup, il faut vraiment que tu arrives parfaitement là et pas à l'inverse. Tu envoies et puis au dernier moment, tu as juste un peu... Là, sur les lattes de Pongus, il faut être précis, mais sur une prise, il faut être encore plus précis. Donc, tout ça fait partie de l'échauffement. De l'échauffement, tu te calibres. Ouais, le fait d'avoir un bon schéma corporel, ça te permet de faire une bonne séance après. On est échauffé? On est échauffé. Du coup, on commence sur les grosses grosses. Du coup l'idée du Pangulich, il y a deux trucs, c'est les bras et le haut du corps, et puis après c'est les doigts. Du coup là, on va commencer sur
les bras avec les bonnes prises, comme ça il n'y a pas trop à réfléchir sur les doigts. Et du coup on va faire juste des montées basiques en essayant de vraiment se concentrer sur cette partie là, le biceps, épaules et toute cette partie là pour vraiment forcer. Donc quand tu y vas, vraiment, tu te concentres vraiment sur cette partie du bras là, c'est mon bras, hop, mon épaule qui continue. Tu vas monter comme ça et au fur et à mesure, toujours en statique, essayer de faire ça, hop, s'arrêter devant un petit peu. De prendre un petit temps d'arrêt pour hop, je prends un petit temps d'arrêt et je lâche. À toi. Yep. Hop, tu concentres bien sur le bras droit. Et pareil, essaye d'être bien précis pour pas que les ongles tapent. Et puis au fur et à mesure, tu vas essayer de faire un petit temps d'arrêt devant la prise. Ah oui, j'ai oublié ça. Ouais, un petit peu plus quand même. Ah, t'essayes de faire un temps d'arrêt là ou? Tu crois bien, ouais. En fait, il faut que je fasse un blocage de bras, quoi. Pour faire ouais, du coup, pour sentir le mouvement, enroule-toi un petit peu le bassin sur le bras qui tient. Comme ça, tu sentiras un peu plus pour lâcher la main. Ouais, mieux déjà. Là, tu fais le mouvement au ralenti. Essaye vraiment de... L'idée, c'est que tu es là, hop, je m'arrête devant et je chope la prise. C'est vraiment faire juste le petit blocage. L'idée, c'est le blocage là qui est important de travailler. Donc du coup, tu pars de là, hop, tu bloques un petit peu et tu chopes la prise. Ok. Ouais, c'est que c'est pas le mouvement au ralenti, c'est je fais le mouvement, je bloque, je reste la main juste devant la prise et après je chope la prise. Je redescends. Je bloque pas, je descends. Ou alors on va faire un niveau un peu plus. Tu fais ça et juste tu fais hop. Hop, comme ça là. Juste tu lâches un peu la main, hop, hop, hop. Comme ça tu vas réveiller un peu les sensations de blocage de cet angle là et cet angle là. D'accord. Le concept de l'escalade, c'est de verrouiller les articulations. Du coup, c'est que je me monte un petit peu. Voilà. C'est ce qu'il faut rechercher à faire. Ouais. C'est vraiment l'idée, c'est de se concentrer sur le fait de bloquer le bras. Et c'est tout est concentré sur les deux articulations là. D'accord, donc pas de panique si comment vous n'y arrivez pas dès le début à faire vraiment le blocage. Le but c'est d'arriver à ça, c'est normal de ne pas y arriver au début. Exactement. Hein, je vais me rassurer comme ça. On va vous rassurer comme ça. Pour compléter un peu, parce que là on a fait du coup vraiment du statique. L'idée c'est de faire derrière, faire l'inverse. C'est de faire des montées en essayant d'être le plus rapide possible. Et du coup précis sur la main. Et là, tu vas travailler la précision du schéma corporel. Et puis, tu vas travailler aussi la vitesse de serrage, la vitesse à laquelle tu vas serrer la prise quand tu arrives. Tu vois vraiment, si j'exagère le truc, c'est vraiment... C'est comme ça l'idée maximum, quoi. Et encore, tu vois, là, j'étais pas très très bien. Vas-y, fais-le très très bien. J'ai raté là. Du coup, toi, là, le problème, c'était pas une question de force ou quoi que ce soit, c'est que j'ai mal visé la prise. Du coup, c'est plus un schéma corporel, un côté technique et visualisation qu'un problème énergétique. Ouais, c'est mieux. Allez. Yeah. Quand je tape sur les ongles, je le sens. On l'entend surtout. Non, je le sens. Maintenant qu'on est chaud, on fait exercice combiné. C'est-à-dire que tu commences, tu fais tout doucement, tu fais un petit arrêt, tout doucement, tu fais un petit arrêt, et après, hop, tu vas super vite. Ok. Commence, tu fais ça, et après, bam. À toi. Refais-le, j'ai pas bien vu. Je me repose un peu, il faut bien se reposer entre les efforts. Entre 4 et 5 minutes, quoi. Ah ouais, depuis tout à l'heure, on fait pas du tout ça. Allez, maintenant tu exploses. Allez. Ouais. Ah, tu sens tes biceps qui chauffent là? Un quart d'heure de repos. Non, on a dit 5-10 minutes. Exercice numéro 1598 déjà. Du coup, tu pars avec les mains décalées. On dit 0 et 1. Comme ça. Et là, tu vas partir. Hop. Et essayer d'aller plus haut que tu peux. Tu fais plusieurs essais pour essayer de battre tes records. Après, tu fais l'autre main.
hop, et après tu vas partir de la 2, après tu vas partir de la 3, après tu vas partir de la 4. Du coup le premier move il va devenir de plus en plus dur pour passer par-dessus l'épaule, et du coup le ramener sera de plus en plus facile. Premier run, on est parti avec la 1, maintenant on fait avec l'écart un peu plus grand, donc plus on va monter dans l'exercice, plus le premier move sera dur à passer par-dessus l'épaule. Du coup là on fait 2. C'est marrant, tu verras, quand tu te pends, t'as tes jambes, elles twistent direct. Essaye de gainer les abdos un petit peu pour éviter ce ballon là. Tu peux avoir mal aux abdos en faisant une séance de planque glitch. Ouais, nickel, c'est mieux là. Ton bassin il twist là. Gaine. Ça commence à tirer un peu sur les bras. On a dit qu'on arrêtait à 95% de notre force. Je pense que j'en suis à 97-96. Parfait. À nouveau le pouce fermier. Deux mains sur la 0. Tu fais plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 6, à muerte comme ça. Ok. Ça va ? On fait 2-3 fois, comme ça on devrait bien atteindre les. Essaye l'avant-dernier, il te manque rien. Essaye l'avant-dernier. Ok, vas-y. Allez, chose. Tu te rappelles ce qu'il faut faire ? Bah ouais, c'est bon. Non. Ah oui, tac. Muerte. À muerte. Allez mec, allez respire. Allez, c'est bien ça. Allez. On a oublié, on explique pourquoi on commence par ça. Tu fais de la force et donc là du pont-wish quand t'es frais. Parce que en gros, quand t'es à 100%, de 100 à 95% de ta capacité, là tu travailles vraiment la force. Si tu commences à être un peu fatigué, être en dessous de ces 95%, tu travailles plus le volume d'effort, la résistance et un peu la quantité d'effort, mais pas la force pure. Il faut vraiment, quand tu fais de la force, il faut être frais et prêt à forcer. Vraiment bien s'échauffer, y aller doucement et progressivement augmenter de niveau tout doucement. Et quand tu sens que tu es plus efficace, que tu commences à vraiment être moins performant et que ça descend la courbe de niveau, s'arrêter tout de suite et passer à une autre section. Bon, c'est comme ça qu'on sait qu'il faut s'arrêter quand même. Exactement. Il faut être efficace. Il faut vraiment avoir cette image de 100% de ta forme et 95%. Une fois, ça va assez vite de plus sentir à 100%. Quoi. Allez, essaye d'être précis sur la main. Allez, encore. Allez, tu vas la tenir, allez. La question, va-t-il bouger sur tout le reste de la séance ? Va-t-on voir seulement Romain sur tout le reste de cette série entraînement ? Vous verrez la prochaine fois.